Déjà, c'est sympa. C'est très sympa. Ils sont gentils. C'est bien parce qu'on suit. Bon alors. Bravo. Bonne soirée, cher. Merci, Gilou. Thierry Ardisson, là, enfin. Allô, oui. Oui, bonjour, nous avons Jean-Claude Camus, Gérard Levin. Quatrième étage, messieurs. Merci, monsieur. Merci. Âgé. Ah oui, bah oui, ça, hélas. Gilles. Oui. C'est qui? Monsieur Louvain. Et Monsieur Louvain. Camus. Monsieur Camus. Et Monsieur Camus. Et Monsieur Camus. Qui a beaucoup de mérite, Monsieur Camus. Non, tu sais pas. Tu connais personne? Ah, mais je connais personne. Ah, disons, tu connais même pas. Je connais pas. Toi, ce qui est formidable, c'est que tu connais même pas Thierry. Non, je connais pas. Je te présente. C'est un grand moment. C'est un garçon très gentil. Et c'est ce qu'on me dit. Prends une cacahuète pour voir. Non, tu vois, personne ne veut manger de ces cacahuètes. Personne ne veut manger des cacahuètes. Pas les cacahuètes, ouais. Ça reste dans les dents. Qui c'est? Louvain, Camus, Camus. Ah, Louvain, Camus, énorme. Déjà, je vais te présenter. Énorme question. Monsieur Ardisson, bonjour. Enchanté. En fait, vous on se connaît. Pas. Mais non, on se connaît on pas. On se connaît pas. On se connaît pas, non. On s'est jamais parlé. On n'est même pas fâché parce qu'on ne s'est jamais parlé. Ah, vous n'êtes pas fâché, ça peut être drôle, alors. Mais non, non, on n'est pas fâché. On se connaît pas. Je ne le connais pas. Il y a une espèce de truc, il y a une barrière qui s'est mise où moi j'étais persuadé que, je pense qu'il en pensait autant, mais on s'est. Voilà, bon. On s'est jamais rencontrés. Des fois, je pense. Dis-moi, on boit un coup en attendant les autres, hein? Ça c'est. J'ai personne encore, les premiers. Non, mais Jean-Claude. C'est une bonne idée. Ouais, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur vous en lisant le livre de Gérard. Ah oui. Mais c'est ce que raconte Gérard, c'est ça, hein? C'est ouais. Vraiment. Ah, c'est vous. Bonjour. Ça. Bonjour. Gérard. Gérard raconte comment vous vous êtes connu et tout là. On collait les affiches ensemble, tout. Hein. Ouais. Sans rire. Comment il s'appelait le mec dont vous occupiez à l'époque? Cordoba. Miguel Cordoba. Qui est toujours vivant. Qui est toujours vivant, qu'on a vu à Télé Légion d'honneur. D'orchestre et que j'ai connu Jean-Claude. Non, ils t'ont donné la Légion d'honneur. Qui? Oh, tu vas pas recommencer. Oh, tu vas pas faire Baffy, je veux bien que Baffy soit... Non, mais il la donne vraiment à tout le monde. Messieurs, un peu de champagne. Parce qu'à l'époque, on... Ah, c'est bon. Non, mais ces cacahuètes, faut pas en manger. Hein. Faut pas manger. J'ai arrêté tout ça. Je vais manger celles qui traînent. Même Gilles n'en prend pas, Carlos n'en prend pas, personne ne touche à ces cacahuètes, rassurez-vous. On a faim. Mais avant, vous étiez agent immobilier, Jean-Claude, c'est ça? J'ai fait agent immobilier en 68 pour bouffer. Ouais. C'est-à-dire, j'ai toujours été dans le spectacle. Toujours. À l'âge de 18 ans déjà, j'ai dans l'âge, je couchais à Gare de Lyon, maintenant. Et donc, il y a eu un moment de passage à vide, c'est-à-dire, j'ai fait la tournée Jean Vincent. Ah, c'est vous qui avez fait les aiglons moustiques. Mais avant l'agence immobilière? Je sais pas. Bien sûr. Bien sûr. Jean Vincent, vous avez fait venir Jean Vincent? J'ai été associé de Bruno Cocatrix à l'Olympia. Avant l'agence des Acacias? Oui, avant l'agence des Acacias. Et donc, j'étais le premier à faire venir Jean Vincent en France. Ouais. On a fait le. Il y a eu l'Alhambra où on avait fait beaucoup de succès. On a fait ensuite le Palais des Sports. Et moi, je me suis dit, là, on y va en tournée. En tournée, c'était une catastrophe nucléaire. Ouais. Et je me rappelle, la mère de ma fille, qui était à l'époque standardiste de l'Olympia, qui m'a dit le jour, elle m'a dit, alors c'est comment? J'ai dit, c'est super, c'est un pied. Oui, mais non, mais combien il y a d'entrées? Bon, ben, je dis, je sais pas, on a fait 180 hier. 4 heures, je suis parti, j'avais plus rien. Et donc... D'où l'agence immobilière? De temps en temps, je faisais visiter les appartements pour lui. Non. Ouais, mais oui. Parce que moi, je me disais, je veux faire un peu de pognon. Moi, je croyais, alors, tu sais, dans l'immobilier, tu fais visiter, puis les gens disent tous... Oh, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Ben, tu te dis, ça y est, c'est vendu, j'ai gagné ma vie. Moi, je me disais, ça y est, puis je n'ai pas fait une vente. Aujourd'hui, vous avez Johnny et Sardou, les deux, non? Johnny, Sardou, Pagny, après notre ami Gérard, Michel Fuguin. Lara Fabian. Lara Fabian. Et puis, qui? Attends, je cherche Chimène Badi. Elle est très bien, Chimène Badi. Chimène, ça chante. Très, très bien. Ça chante vraiment. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, je vais me fâcher avec tout le monde. Non. Mimimati, ouais. C'est moi qui connais son écurie. Qui est depuis des années. On va Mimimati. Quand même, ou pas, non? Allez. Et votre fille va épouser Noël, hein? Ah, je ne sais pas s'ils vont se marier, mais en tout cas... c'est une affaire qui tourne, quoi. Je vais être papy, je l'ai vu hier. Ouais. Elle attend un petit garçon pour la fin juin. Ouais. Et c'est drôle, il y a seulement 3-4 ans, je crois que ça m'a dit, tu vas être grand-père, ça va être tout. Là, je suis fou de joie.
Mais tu te rends compte que je l'ai connue, Isabelle, elle venait de naître. À l'époque de l'agence immobilière ? Ah oui, elle venait de naître. À rue des Acacias, il y avait déjà Isabelle Camus. Oui, mais elle était grande comme ça. Ouais. Elle venait de naître. Ça, il y a 39 ans. Petit triomphe. De toute façon, à tous les gens qu'on travaille avec, ouais, et tout, ils ont tous réussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Pascal Nègre, Valérie Zetoun. Quatrième étage. Merci. Ouais, c'est-à-dire, ils ont tous fait de la télé. Je suis un porte-bonheur. Ah oui, dis donc. J'aime beaucoup. Je suis en plein régime. Serre la main ou l'embrasse ? On embrasse, non ? C'est bien. Bon. Marais, on gagne du métier. Ah ! On s'est bien marré et j'étais très heureux parce que j'ai pu lui parler de son père. Messieurs, bonsoir. Ça va ? Très bien. Oui, si vous... Allez. On est déjà à table. Ben oui, normalement, il y a l'apéro. Hein ? Normalement, il y a l'apéro. Oh, oh là là. Oh, bonjour. C'est du lourd. Comment ça va, Pascal Nègre ? Comment ça va ? Du lourd, hein. Bien, quoi ? Du lourd. Pascal Nègre. Du lourd. Universal. Lourd. Corbeil et tout. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça va ? C'est ce qu'ils ont pour ça dans la cuisine. Chef. Là, il y a du lourd. Les budgets ont baissé. Alors, t'as viré combien d'artistes aujourd'hui ? Mais personne. Mais c'est, nous, alors, mieux, on a fait la... Vanessa Vanetti, il y a le ouais, Figaro avec Rick Vanetti. Vanessa Paradis, oui. Juré Vanessa Paradis, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a n'importe quoi. Et donc, ils ont fait un communiqué aujourd'hui expliquant que c'est n'importe quoi. Ah bon, d'accord. Ils en ont annoncé plusieurs qui n'étaient pas, pas vrais. C'était, mais pour les gens, ça marque. C'est vraiment. Mais c'est parce que quand tu vires un animateur télé, c'est pas grave. Quand tu dis on vire une vedette d'une maison de disques, ça marque l'inconscient collectif. C'est des gens, tu penses pas qu'ils peuvent être virés, tu vois. Je veux dire. En même temps, c'est. Non, c'est normal s'ils rapportent pas de thunes. Non, et le problème n'est pas là. C'est que la vie d'une maison de disques, c'est signer des artistes et rendre des contrats. Ouais. Et moi, je me rappelle, il y a 15 ans, j'avais rendu le contrat d'artistes qui avaient vendu beaucoup de disques et qui n'en vendaient plus. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'on les a signés par la suite. Le pire, c'est Nougaro. Qu'est-ce qu'avait viré Nougaro ? C'est Constantin. Ils avaient viré Nougaro, oui. Il faut être honnête, à l'époque, Nougaro tournait en rond avec son trio, avec son trio jazz, et c'est vrai que ça a été un coup de pied au cul. D'ailleurs, il était drôle, il disait ils m'ont mis un coup de pied au cul, mais ils se sont fait mal au pied. Il a fait Nougat York, le mec. Tu bois quoi ? Souchon, par exemple, c'est vrai que j'ai lu son nom. N'importe quoi. Non, Souchon, c'est pas vrai. Non. Mais est-ce que Virgin a vraiment viré Jean-Louis Murat, par exemple ? Non, je crois pas. C'est pareil, c'est dans les gens. Mais tu sais, après, tu peux aussi être en fin de contrat et voir ton contrat pas se renouveler. Ouais, c'est pas pour ça que t'es viré, c'est que ton contrat s'arrête. Tu peux virer quand même. Mais... Murat, les Mitsuko, c'est vrai, les Mitsuko ? Je crois pas. Ah, bah, c'était annoncé encore. Oui, si. Enfin, si, je sais pas, c'est vrai. Franchement, je parle de choses que je sais vraiment, donc je pense pas. Je crois que ce qui est vrai, c'est Chamfort. Ouais. Qui était viré d'où ? Est-ce qui est vrai ? Des matchs ? Yemaï ou Virginie. Ouais. Et ce qui est vrai, c'est Jonas aussi, je crois. Jonas, ouais. Voilà, Ophélie Winter. Et Ophélie, pareil. Oui, c'est dans la liste de ce qu'on prononce, de ce qu'on dit. Mais on parle de trois artistes qui, effectivement, depuis un certain temps, vendaient peu de disques. Il y en a peut-être qu'on peut racheter à la casse. Non. Écoute, mais je peux te donner le nom d'un artiste. Gérald de Palmas, Emma, il avait rendu son contrat. Mon Dieu, c'est vrai, on n'en parle plus de lui. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, Gérald était signé par Polydor, on a fait un million et demi d'albums. Il sort d'un million et demi d'albums. On le voit jamais, lui. Ah ben, il va faire un nouvel album en septembre. Et il avait été. Emma, il lui a dit merci, au revoir. Et il a été signé par Polydor. Et on a fait un million entre autres sur le deal. Marc Lavoine, il avait plus de contrat. Bon, il n'a pas été viré par BMG, mais il avait plus de contrat chez BMG. Il a essayé de changer de maison disque. Il est venu chez nous, il est passé de 20 millions. Album, il a vendu 900 000. Il est passé de 20 000 à 900 000. Ouais. Donc voilà, donc il y a des moments où pour un artiste, changer de maison de disque. Oui, c'est comme pour un animateur, changer de chaîne. Changer de chaîne ou changer d'émission. Bien sûr. Pour l'instant, c'est quand même dramatique le nombre de gens qui vont se retrouver sur le pavé. Et alors les jeunes, j'en parlais pas. Ah ouais ? Ouais, je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est.
Moi, ça m'effraie de voir. Parce que mais dis-moi alors, quand Johnny est parti de chez Universal, comment t'as réagi, toi? Il n'est pas parti de chez Universal. Ah bon? Clôture de l'histoire. Ils ont un problème ensemble. Voilà, clôture de l'histoire. Ah oui, d'accord. Ah ouais, parce que toi, c'est difficile, non, dans ces cas-là? J'essaye de rester en dehors de tout ça. À chaque fois qu'on m'interroge, je réponds, vous voulez me parler des spectacles, vous voulez me parler des tournées de Johnny Day, je suis là. Le reste, je ne suis pas là. Ouais. Un ange passe. Mais c'est bien les anges qui passent. Bon, enfin, il ne mérite même pas qu'on parle de lui. Quoi. Bon, d'accord. Bon, alors on parle de toi. Tout va bien, t'as viré combien d'artistes aujourd'hui? Alors, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends, c'est que t'es pas la Légion d'honneur, il la donne à tout le monde. Oh. Tout le monde. Oh. Ah, il l'a lui aussi. Mais c'est une question d'âge. Ah ouais, d'accord. Trop jeune. Ah oui, vous l'avez aussi, ça, Jean-Claude. C'est à l'âge. Ils ont l'air. Armand, heureusement, les chemises ou les nœuds papes à tous les coups. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est nous. Quatrième étage. Quatrième étage. Les RTT. Les RTT, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer à table. On passe à table tout de suite, dès qu'ils arrivent. Hein. D'accord. Il connaît la culture. C'est un mec de cœur. C'est un mec de cœur. C'est sûr qu'on a vu. Messieurs, bonsoir. Santé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oh là là. Ah ouais, les RTT, là. Comment ça va? Salut. Salut, Thierry. Ravi de te voir. Ça va? Salut, Patrick, ça va? Sur les sons. Ça va bien. Ils sont là. Et ben voilà, nous aussi. Qu'est-ce que je fais? Je voulais lire. Bah oui, allons-y. Mais non. Ils sont gentils en plus. Oui, j'en suis sûr. Bon, on va passer à table, ce sera plus ça. Bon, on va passer à table. Sexe quoi? Sexe. Rock, on rock and roll. Non, il paraît que c'est un dîner sexe. Sexe, rock and roll. Bah, c'est normal enfin. Sexe, drogue and rock and roll avec vous. Pourquoi c'est regarder les livres quand tu vas chez les gens? Et putain, je suis côté de qui? Rock'n'roll, Gérard, le rock'n'roll, alliage. Reste à côté de moi, Jérôme. Oh mais non, carrément pas. Lunettes, t'es bien dans ma vision. Celui qui est devenu moine. Il y en a un qui est devenu moine. Ah oui. Il était dans la cuisine, excusez-nous. Ouais. Hein. Bah le... Bonjour, bonsoir. Jérôme Vin, Jérôme Réjas, Patrick Edeline, Pascal Neck, Jérôme Réjas, Philippe Manœuf. Pascal, toujours dans la musique. Mais oui, toi, toujours en édition. C'est formidable. C'est placé, assez placé. Un homme, une femme, là, alors, exactement, oui. Je vais faire l'homme alors. Alors, à côté de toi, ça rigole plus. Monsieur Manœuvre. Réjas ici. Comment ça va? Bonsoir. Valérie, t'es à côté de moi, toi. Ça va. Gérard ici. Alors. Il y a asseyez-vous. Il y a beaucoup de filles, hein, je remarque. Il y a énormément de gonzesses, ouais, c'est ça va être chaud. Par exemple, Pascal Vanessa, c'est pas vrai pour... Bah, elle vend beaucoup de disques, Vanessa Paradis, non? Mais attention, il y a un artiste... Si, là, il n'y a pas vrai, il y a une bande originale, d'ailleurs, c'est les Little Rabbit qui font la musique. Ah, Little Rabbit. Et il va y avoir un nouvel album l'année prochaine, mais la problématique, elle n'est pas là, c'est un artiste, c'est... Un artiste, il ne faut pas raisonner simplement ce qu'il vend sur le dernier album. Ce qui est intéressant aussi, c'est notre métier, d'ailleurs, c'est d'avoir des catalogues. Donc voilà, et quand tu sors un nouvel album d'un artiste, ça te permet aussi un peu d'essayer de revendre. Parce que son dernier album, c'est celui qu'elle avait écrit toute seule. On a fait presque 500 000 albums. Pas avec le dernier, là. Bien sûr. Celui où il y avait Commando. Bien sûr. Mais si, je te jure. Parce que moi, je vais dire, je suis rarement désagréable avec une vedette. Mais là, franchement, quand elle est venue dans l'émission, je lui ai dit, mais il faut que vous arrêtiez de composer avec un doigt et que tout le monde vous dise que c'est bien. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que c'est le premier album qu'elle a fait, elle, en grande partie, et je trouve ça très bien. Et le deuxième album va être plus abouti parce que écrire c'est aussi, ça s'apprend aussi quoi. C'est voilà, comme un peintre, tu fais ton premier tableau et puis tu fais ton centième. Mais justement, tu vas pas le prendre. J'ai pas donné le temps aux gens d'apprendre. Qu'il y a plus de carrière sur une longueur. Jacques Brel il a pas voulu tout de suite. Enfin, si, tu connais le assez rapide. Mais ça c'est des là-dessus on peut rentrer là-dessus. C'est objectivement si tu regardes bizarrement la majorité des artistes marche assez vite. Ouais.
Ouais. Sauf les groupes de rock, ouais, qui ont besoin de plus de temps, exemple, comme Radiohead. Noir Désir. Noir Désir, ça a démarré premier très album, fort. Premier album, c'était un mini album. Deuxième album, au son vraiment. Combien ils vendaient Noir Désir au début ? Noir Désir, mais c'était un mini album. Ouais. Bon, je sais pas, ils ont dû en faire, j'en sais rien, 30 000, 20 000, 30 000 à l'époque. Deuxième album, boum, au son héros de la mer. T'en as pas énormément en France, des groupes de rock. Tu vois, Louise Attaque, tu prends, tu vois, La Mano, premier album de La Mano, ils font plus de 100 000 et ils sont vendus à Virgin. Donc, si tu veux, il y a un moment où, quand même, il y a une espèce aussi de mythique de l'artiste, mais c'est très judéo-chrétien. C'est l'idée que faut que l'artiste souffre, ouais, ouais. Tu sais. Ah bah oui, voilà, mais la souffrance, en vrai, qu'il y a. Et ensuite, seulement il aura le droit au succès. Mais si tu regardes, souvent, les Stones, ils n'ont pas fait 53 disques avant de connaître le succès, les Beatles non plus. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, et Vanessa, on parlait de Vanessa Paradis tout à l'heure, boum, des premiers singles, ouais, ça fonctionne. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde disait que c'était un coup d'été, qu'Alice Marie. Ouais, je m'en souviens. Donc, il y a quand même une espèce de mythique de il faut pas faire 18 albums avant de marcher. Souvent, en 5 ans, tu sais. J'essaie de dire que nous, si tu veux, on est venus au rock parce que c'était un art. C'était de l'art, c'était pas uniquement du commerce. Il y avait du commerce qui se faisait, d'accord, ça vendait, bien sûr. Il y avait des gens qui organisaient des tournées, des gens qui vendaient des disques. Mais les gens qui faisaient ça, il y avait une véritable un truc artistique. Et ils étaient jugés et jugeables là-dessus. Et il y a des très grands musiciens qui n'ont jamais vraiment vendu beaucoup de disques, comme Jeff Beck, qui étaient aimés parce que... Mais si Jeff Beck, il vendait dans le monde, donc à l'arrivée, il était rentable. Mmh. Pas faux. T'as toujours eu dans le rock, sûr, il y aura toujours les artistes en avant et des mecs... Et des cerveaux derrière. T'avais le colonel Parker avec Presley. Ah, alors est-ce que c'est pas ça qui manque en ce moment? Des colonels Parker. Y a tous les grands, il y a quelqu'un avec eux quand même. Ça manque de Malcolm McLaren. Voilà, ça manque un peu de Malcolm McLaren parce que c'était des emmerdeurs, c'était des négociateurs chiants, ils venaient gonfler tout le monde. Mais enfin, ils nous ont donné les Sex Pistols, Elvis Presley. Michael Jackson, depuis qu'il est plus avec son manager, je suis désolé, c'est parti en sucette à ce moment-là. C'est le cas de le dire. Ouais. Merci. Et tu vois, bon, là aussi. Je fais ma fille. Alors, il y a eu plein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de raisons quand même à ce qu'on est en train de vivre actuellement, qui est catastrophique. Est-ce qu'on peut pas élargir en disant que peut-être que les artistes sont moins inspirés par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde que par ce qui se passait il y a 50 ans. Exactement. Parce qu'on pense au confort et au confort et tout. Moi, j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, la création est 100 fois pire qu'il y a 25 ans. Moi, personnellement, excuse-moi, je suis désolé, je trouve que c'est vraiment une réaction de vieux con. C'était mieux la musique que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Je revendique en côté réactionnaire, alors, en ce cas-là. Alors, on se parle... Non, mais laisse-moi finir. D'accord, depuis les années 90, regarde tous les courants musicaux qui ont explosé. Le rail, le rap, le R&B. Le rap, il est mort, et le R&B... Le rap, il est mort. Il a plus rien à dire. Mais regardez la télé, vu qu'on parlait des médias tout à l'heure, c'est le seul endroit où on peut avoir des clips de rap. C'est le même clip, le seul phénomène rap depuis 10 ans, c'est Eminem. Est-ce que tu veux dire... Moi, je pense, je suis peut-être un vieux con, je pense qu'au niveau du songwriting, il y a moins de qualité qu'à la fin des années 60, début des 70. Et pourquoi ? Au niveau du songwriting, je ne te parle pas après qu'il y a des grands artistes, des mecs formidables et tout. Je parle de qualité d'écriture musicale. À part 2-3 mecs dans l'R&B où il y a une vraie recherche mélodique, une vraie recherche d'arrangement et tout, le reste du temps, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, ben voilà, ben, je ne suis pas d'accord. Et si tu veux, je trouve que depuis 10 ans, 15 ans en France... Bonsoir, c'est Steve. Au quatrième étage, monsieur. Je n'agis pas dessus. Si tu regardes la production française, d'ailleurs, les consommateurs ne se sont pas trompés. Aujourd'hui, on a 65% des ventes de disques, c'est disques français. Ouais. Il y a 10 ans, c'était 55 ans. C'est le seul pays où c'est comme ça, à part les anglo-saxons. Combien de ventes en grande surface par rapport aux autres surfaces de vente? Attends, laisse-moi finir. Mais je vais quand même pouvoir parler aussi. Oui, mais après, deuxièmement, un disque français sur 4, ils sont à l'étranger. On n'a jamais autant exporté de musique. Donc, à un moment donné, tu veux, moi, je veux bien qu'on se fouette, qu'on soit en disant « ouais, rien, machin ». C'est pas vrai. Je trouve que dans la nouvelle variété française, dans le nouveau son français que j'appellerais plutôt rive gauche, dans le rail, le rap, le rock, le R&B, je suis pas d'accord, il n'y a jamais eu autant de richesse, la techno. Il n'y a jamais eu autant de création en France. Pour moi, les années 80, à partir des gens de 90 jusqu'à 2005, il n'y aura jamais eu vraiment autant de nouveaux talents qui seront sortis. Ah, d'ailleurs, monsieur, on n'a jamais bonsoir. Autant... Comment ça va? J'aurais voulu voir. Il y a eu 1500 contrats nouveaux de signés. Un chanteur, un vrai. Ça va?
force est de reconnaître qu'il y a eu l'époque des Gainsbourg, des Nougaro, des Brel, des Brassens, des Beco, etc. Énorme époque. Je veux dire un truc. Après, il y a eu l'époque Chamfort, Berger, Jonas, Cabrel, Goldman. Bon, déjà, un peu moins bien, mais pas mal. Et aujourd'hui, cite-moi des chanteurs français dont tu écoutes les disques le soir 25 fois de suite. Ah. Benjamin Biolay, non. Dominica, c'est pourquoi bien. Ils existaient c'est pas Calogero, machin, je suis pas d'accord. Moi j'adore Calogero, mais t'écoutes pas Calogero comme t'écoutais Aznavour. Mais attends, à l'époque, les mecs disaient de Gainsbourg la même chose mais que ce que tu dis des mecs. Non, ça j'y crois pas. Non. C'est dangereux la nostalgie pour. Pour toi, Benjamin Biolay, c'est le nouveau Gainsbourg, quoi, en gros, quoi. Mais on n'est jamais le nouveau de quelque chose. Je pense que Biolay, il a un univers. Je pense que Biolay, il fait des choses intéressantes. Biolay, il est jeune, laissez-le grandir. Je pense qu'il a un vrai talent. Je trouve qu'il a un vrai talent. Franchement, il n'est pas chez moi. J'en abuse à l'aise. On est dans une nostalgie. On est toujours en train de dire que c'était tellement mieux. Mais non, mais c'est pas ça. On s'amusait tellement mieux avant. On est dans la nostalgie totale. C'est vrai qu'on est loin avec ton temps. Jean-Claude, au niveau de l'écriture musicale, c'est vrai que c'est pas terrible. L'écriture musicale, ce que tu entends par l'écriture musicale. Le don de la mélodie. Mais quand je parlais tout à l'heure de la fin des 60 et du anti-mélodie, donc, début des 70, en Angleterre, tu as eu une espèce de. En Amérique à la même époque, une espèce de créativité mélodique qu'il n'y a plus maintenant. La preuve, c'est que tout le monde fait des reprises. Qu'est-ce que t'as de génial en littérature aujourd'hui? C'est un autre coup de violent de Patrick Odlin, mais sinon pas grand-chose, effectivement. Bon. En peinture, t'as qui le dernier génie, c'était Basquiat? Non, mais attends. Donc, c'est pas inhérent qu'à la musique, votre position. Alors, est-ce que politiquement correct a tué l'art, c'est ça? Plus personne. Moi, je trouve que les romans que font Patrick Despentes, Houellebecq, Dantec, toute la bande, ils sont aussi déchaînés que dans les années 70. Au niveau du cinéma, il y a des gens qui arrivaient encore. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile pour les jeunes, pour monter des films, c'est l'horreur. C'est mais est-ce que les artistes ont des choses à dire, c'est ça? Parce que nous, on rencontre des gens en interview. Donc c'est pas le même rapport que vous aux artistes. Et c'est vrai que souvent en interview, peut-être qu'on pose des mauvaises questions, mais on se retrouve devant des gens qui ne font transparaître qu'une seule chose. Un, je veux vendre mon disque, ce qui peut être légitime en promo. Mais surtout deux, je veux le confort. C'est-à-dire que je demande pas aux gens de se droguer à mort et de mourir dans un accident d'avion, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que s'il n'y a plus la notion de danger, et si les gens n'ont plus rien à dire, bah, dans ce cas-là, qu'ils nous le disent dans leur disque. Il a une idée, il dit c'est le confort qui tue le rock'n'roll, c'est pas idiot. Non mais c'est pas idiot, puis je suis persuadé que c'est vrai moi. Mais bon après je me doute bien que vous allez pas. Hypogoté. Eh ben les Vampas, voilà, très bien. Oui. Didier Vampas, son discours. Moi, je bosse à la RATP, je ne suis pas là pour toucher l'intermittence. Je pense pas que l'art, au départ, doit être forcément rentable. Ça marche pour lui en ce moment très bien, mais sinon, il aurait continué les Vampas en allant bosser 8 heures par jour à la RATP. Oui. Eh ben c'est ça le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on leur fait croire que, je vais pas vous refaire le truc de footballeur ou rappeur, mais c'est un peu ça. Et c'est dommage de faire croire aux gens qu'il faut être célèbre pour être quelqu'un de fréquentable. Enfin, Valérie, j'allume ma télé, je vois. Je vous ai vu, j'ai vu plein de gens. Je vois des choses qui, moi, personnellement, me donnent. Justement, alors parlons-en. Et vous, c'est. Non, mais. Qu'est-ce que vous voulez laisser un discours? Je suis un. C'est nous le village gaulois. Voilà. Et nous, on résisterons. Jean-Claude, ce qui est génial, Steve, voilà moi pourquoi je t'ai demandé de venir dîner ici ce soir, parce que c'est un mec qui sort de la télé par réalité, mais enfin, la nouvelle star, c'est la télé, voilà, comme ça, machin. Et le mec est bon. Oui. Et lui, ce qui est extraordinaire avec Steve, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'après toutes les Jennifer, les Nolwenn, tous ces chanteurs formatés Starac, il y a un mec qui arrive et lui, il chante Kurt Cobain a cappella et tout le monde est scotché. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Il y a quelques années, j'avais dit comme ça, il va bientôt y avoir des punks à la Star Academy parce que les types, ils n'ont pas d'autre choix. Bah oui, c'est pas mal. Et j'ai un vrai respect pour Steve, je le dis, je veux dire carrément et tout ça. Il chante vraiment bien. Pour l'instant, il n'a fait que du karaoké parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Mais il l'a fait avec intelligence. Le problème, et est-ce qu'un type qui vient vraiment, qui a vraiment un discours, qui veut vraiment faire un truc, il est obligé maintenant de faire la recherche de la nouvelle star? Il va falloir qu'il soit fort. Pour exister et tout ça. Il va falloir qu'il soit fort. En tous les cas, il a fait la recherche de la nouvelle star, mais son image est intacte pour le moment. Moi, je pense que beaucoup de petits-enfants voudraient des plus de rockers comme Steve, plus de groupes. Et je trouve que depuis 2001, il y a une nouvelle vague, comme depuis les Strokes et les White Stripes. Et j'ai été surpris que vous ne suiviez pas, que vous ne trouviez pas au moins un groupe en France. Parce qu'il n'y en a pas. Alors, je suis d'accord avec Valérie. Il n'y a pas. Attends, je vais te dire un truc. Moi, je pars dans l'histoire, il n'y a pas de talent méconnu. Si tu pars de là,
Non, mais ça, je suis pas d'accord. Ça vous protège grave. Ça veut dire que vous êtes passé à côté de personne. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire que Van Gogh, de son vivant, il a pas vendu une toile. Un siècle après, il fait le record à Sotheby's. Enfin, comme il est un peu mort, il s'en fout un peu. Mais donc, ça veut bien dire que si tu dois péter, tu pètes. Y compris quand t'es mort. Donc nous, on n'est pas... Et c'est ça qui casse l'histoire de les maisons disent font ou défont. On défend rien. C'est pas ce qu'on a dit, Valérie. On espère tomber sur le bon. Mais Valérie, c'est moi, je l'ai vécu... Moi, je l'ai vécu à Popstar. J'ai vu un peu. Le groupe qu'on a fait, le groupe qu'on a voulu monter, c'est planté... Les Watford. Oui. Donc bon, quand je dis on s'est planté, on a quand même fait 1 million de singles, 350 000. Mais c'est pas ça, la musique. C'est pas le nombre de ventes. Mais il y a une petite nana dedans qui s'appelle Chimène Badi. Qui a un truc, moi je la vois, elle chante trois notes, j'ai les poils comme ça. Arrête, on a compris dès le début que t'en avais rien à foutre des Watford et que tu voulais signer la Chimène. Tout le monde l'a vu, t'inquiète pas. Hein. Je te rassure. C'est de croire qu'on est là pour. Nous sommes tributaires de six maisons de disques, on n'est pas anti. Si t'as pas de groupe de rock, c'est parce qu'il n'y a pas de groupe de rock. Question, pourquoi la musique populaire n'est pas plus gay? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que ça s'éclate, que ça s'éclate? Moi j'ai l'impression que c'est tout fait par Obispo ou par Goldman. Je trouve ça très très peu en plan. Jennifer, excuse-moi, le premier tube de Jennifer. Premier gros tube de Jennifer, ça s'appelle Au Soleil, et ça a été écrit par un mec qui fait du rock. Mais non, mais je m'en fous des mecs qui font du rock, Pascal, je suis pas tous les mecs qui font du rock. Un groupe qui est chez Naïve, bien. Des noms. Dis-le, c'est Aston Villa. Oh, bah oui, c'est Aston Villa qui a écrit Au Soleil. C'est Aston Villa qui a écrit le truc, quoi. Mais vraiment, dans mon estime. Ça fait numéro 1 en Espagne, etc. Donc, si tu veux, il y a un moment où je suis pas. Jennifer, excuse-moi, il n'y a pas eu Star Academy en Espagne qui a fait connaître Jennifer. Donc, c'est là où je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je pense que la chanson populaire, en général, elle se fait chier dessus par les branchés à l'époque où elle existe. Et les branchés, dans 30 ans, vont pleurer. Dalida. Je chiale sur Dalida, moi. Je pleure sur Dalida, tous les jours. Mais excuse-moi. Dalida aujourd'hui, tu parles de Dalida, il n'y en a pas. Mais bon, oui, à mais part, c'est normal. Il faut bien qu'ils leur font de commerce. Mais globalement, Dalida aujourd'hui, on n'est pas dans ce type-là. Notre fonds de commerce nous rapporte moins d'argent, monsieur. C'est ça qui. Moi, maintenant, je prends l'exemple de Joe Dassin, tu peux prendre d'autres exemples, comme François, ça y est. Bon, donc si tu veux, quand tu dis tout à l'heure, ouais, Jennifer Nolwenn, c'est marketé, machin, stéréotypé, c'est de la variété française. Et après, il y a des équipes qui font. Après, mais il faut des artistes comme ça, comme il fallait des Claude François et tout ça. Mais il faut pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a que ça. À la télé, Pascal, objectivement. Mais attends, mais il n'y a que ça. Alors, tu dis en français. C'est vous qui avez dit ça au début, la télé. À la télé, il y a surtout que ça. Alors, qu'est-ce que vous développez sans penser à la télé ou au réseau? Mais tu es fou. Non, mais fou. Mais peut-être un peu. Moi, je signe jamais un artiste en pensant à la télé ou à la radio. Jamais. Les yeux dans les yeux, jamais. Les yeux dans les yeux, jamais. Je te le dis, jamais. Arrête, moi, j'ai une chance. Moi, ça me fait j'ai une chance. Non. Il faut que le maigre le vire. Mais peut-être. Peut-être qu'il me virera, j'en sais rien. Mais j'ai une chance, c'est d'avoir un mec au-dessus de moi qui me dit, tu signes, et je signe ce qui me plaît. C'est très prétentieux. Mais on pense pas aux radios. Maintenant, tu as différents types d'artistes qui vont se développer de différentes manières. Et c'est vrai que le rock, on le sait, leur vecteur essentiel, c'est... On prend le camion et on tourne. T'as de la presse, t'as des petites radios indées. Le truc monte. Ouais. Bon, voilà. Mais il y a un moment donné... Après, oui, il y a de la pop, là, ce qu'on appelle la pop. Et c'est vrai que là-dedans, on réfléchit, est-ce qu'il y a un tube, est-ce qu'il n'y a pas de tube? Et s'il y a un tube, a priori, très c'est... Bien, très bien. Mais c'est un autre trip. Steve, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu t'es présenté à cette émission au départ? Pour se faire connaître. Je me suis présenté pour me faire connaître, parce que c'est une grande vitrine, mais parce que j'ai galéré depuis 15 ans, où j'ai beaucoup, beaucoup joué. J'ai eu énormément de groupes, rock, punk, heavy metal, trash, glam, tout ce qui est de la famille du rock. Bon, je fais du rock parce que j'aime ça au plus profond de moi, j'ai l'impression d'être fait pour ça. Pas par mode, pas pour inventer un style. J'estime rien inventer en faisant du rock, c'est vraiment parce que j'aime ça tout simplement, c'est que pour le plaisir. Mais j'ai toujours, depuis que j'ai l'âge de 2 ans, mes premiers souvenirs, j'ai toujours voulu être Beatles ou être Rolling Stones, ce que je voyais quoi. Je savais pas qu'on appelait ça rockstar, rock, je sais rien. Je me suis dit, je veux être, faire comme eux quoi, être en transe et jouer, être déliré. Et donc je me suis présenté à cette émission, à la base, en pensant que j'allais me faire jeter, quoi. Mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut le faire. On ne sait jamais, ça m'en... Je pourrais pas dormir tranquille si je le fais pas. Il y a une voix qui m'a dit de le faire, quoi. C'est la voix d'Audeline. Non, mais attends. Il y a le rock'n'roll, il y a tout ce que vous voulez. Mais on s'en fout du rock'n'roll. Mais oui. Manœuvre,
une novicube à rock'n'roll, tu vis par rock'n'roll, mais il y a autre chose que le rock'n'roll. Quoi. Bien sûr, moi, je respecte le rock'n'roll. Vous avez un problème, c'est que vous respectez. Il y a rock'n'roll, vous ne respectez pas le reste. Mais moi, j'aime le reste et je respecte le rock'n'roll. Il y a une énorme différence. Vous invitez chez moi, allez venir. Non, je veux bien, mais. Non, mais c'est propre, je jure, c'est propre. Rock, un machin. Non, mais je veux dire par là, apprenez. C'est nous qui avons des clichés après. Apprenez à respecter. Tout le reste, c'est de la merde, quoi. Tout. Mais on n'a jamais dit ça. À vous entendre depuis tout à l'heure, moi, je ne parle pas parce qu'il y a les deux plus grands connaisseurs. C'est vrai que musique, moi, je connais. Eux connaissent vraiment. Mais à vous entendre, ils font... Non, ouais, c'est à vous écouter, mais pas nous entendre. Non, je te jure, depuis tout à l'heure. Non, mais arrêtez, il y a autre chose que le rock'n'roll. Il y a autre chose dans la vie. Et lui, il est formidable parce qu'il fait... Il vient d'un... Ben oui, parce qu'il fait certainement du rock'n'roll. Mais il est allé dans l'autre système, puis maintenant, moi, Florent Pagny, je l'ai découvert dans un bar, il a fait des bons titres, des moins bons titres, et puis je suis sûr que vous n'aimez pas Florent Pagny, c'est obligatoire que vous ne l'aimiez pas, il fait de la merde, parce qu'il ne fait pas du rock and roll. Mais pour qui tu nous prends? Alors ça fait six minutes, tu crois qu'on n'a jamais écouté. Non, je vais dire, chérie, c'est pas vrai. Le seul truc que Manœuvre te reproche, c'est la façon dont tu as parlé des berruriers noirs. Et ça, c'est ça, vrai. Mais c'est vieux, ça. Ah ouais, ça, c'est vrai. J'ai trouvé parce que tu sais... très méchant. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Des gamins qu'est-ce qui qu'il a dit? Il y avait deux gamins. Attends, ils faisaient leur première télévision. Et donc, ils avaient, à la demande de Chavannes, il y avait Solar, les Berrues, toi. Et ils étaient venus avec un tout petit ampli pour faire, comme tu vois, on peut dire, tiens, amène un tout petit ampli, tu vas faire une chanson. Donc, les mecs, ils viennent à deux, ils se décarcassent. Et évidemment que c'était pas, ils n'avaient pas le pouvoir d'un mur d'ampli. Aussi, ils ont eu un tube énorme. Hein. À la fin, il fait mais c'est la bande à Basile, les mecs. Non, la danse des canards. Ce que tu oublies de dire, c'est qu'ils bavaient comme. Je m'excuse. C'était les berruriers noirs de bande à Basile. Non, c'était un truc sur la musique à peu près pareil, sauf que c'était. Sur TF1, c'était Ciel Mon Mardi, et ils bavaient un peu sur le reste, comme vous, là. Ils disaient, nous, on fait du rock'n'roll, et puis ils se mettent à jouer leur tube du moment. C'est fatigant, on va se faire comprendre. Et en fin de compte, le tube du moment, je leur dis, c'est la danse des canards. Qu'est-ce qu'on connaît de Louise Attaque? Le gros tube de Louise Attaque, c'est un truc de variété. Qu'est-ce qu'on connaît de Zebda? Enlève la chemise. Ce serait la gaffe qui chante la chemise. On dirait, c'est de la merde, c'est Zebda, c'est formidable. Tant que, pour moi, il n'y a pas de style, il n'y a pas de ça. Tant que la musique est bonne, elle est bonne. Je prends que le plaisir. La musique, c'est bon. Ça peut être du rap, de la variété. Tant que c'est bon, c'est bon. Après, il y a des choses pas bonnes. Même dans le rock, il y a des trucs pas bons. Mais c'est mon discours aussi. Écoutez, Steve, s'il vous plaît. Non, mais bon, si vous voulez. Steve, la nouvelle idole. La nouvelle star pour moi. C'était une obligation, parce que j'ai commencé à me poser des questions quand je voyais que j'avais du mal, parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments où ça marchait bien, il y a des moments où ça marchait carrément pas du tout. J'étais carrément à la rue à l'Ouest Total où. Plus de thunes, même pour acheter tout simplement des cordes de gratte et pouvoir continuer la musique. De m'inscrire, c'était une porte pour avoir un avenir quand même quelque part là-dedans. Je me disais, c'est dommage, alors que j'ai envie de faire de la musique et de montrer. C'est dommage. Je passe. À retourner le système à ton profit, finalement. Voilà, mais en restant, par contre, je me suis mis une condition de rester exactement sans mettre aucun artifice, parce que ça me rend angoissé de rentrer et de jouer un rôle. Ouais. Donc je joue pas de rôle. Maintenant c'est le paradoxe parce que avec ce genre de télé comme La Nouvelle Star, je pensais, tout le monde m'a dit ouais, mais on va te serrer, tu vas devoir faire ce qu'on veut. En fait je pense pas, à partir du moment où t'as travaillé une image, tout le monde t'a vu tel quel, ça serait suicidaire que de sortir un disque qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire en fait. Mais t'es fort quand même. Pascal, il faut quand même parler de la copie à un moment. Vous évaluez ça à combien dans votre Universal? La copie privée, pirate, enfin ces gamins-là qui se téléchargent les iPods toute la journée, vous tiens, voilà 1700 chansons. C'est pas compliqué. Il y a 250 millions de chansons téléchargées par mois en France. C'est l'équivalent de 25 millions d'albums. C'est-à-dire qu'il y a plus de chansons téléchargées que de chansons vendues. D'accord. Est-ce que c'est des gens qui achèteraient le disque? Tu vois la question. Alors, tu dis 1 sur 10. Ou tu dis 1 sur 20. Achèterait le disque. Ouais. Et tu crois vraiment que t'es 2,5 millions. Et donc tu arrives à 2,5 millions. Et 2,5 millions, tu multiplies par 12 mois. C'est ce qui vous manque. Et exactement. Non, ce qui est vraiment. Non, moi, ce qui me rend hystérique, je vais te dire. Par exemple, non, mais tu vas prendre nous, c'est très grave cette histoire. Parce que prendre des mecs comme Zermati, Burgala, les indépendants. Mais les indépendants. Eux, avant, ils faisaient venir un groupe. Anglais, japonais, bon, les mecs tournaient, faisaient 5 concerts, il y avait un article dans Rock et Folk, ils vendaient 3 000. Et eux, ils arrivaient à vivre. Aujourd'hui, ils vendent 500, maximum 800. Ça s'arrête à 800, c'est fini. Définitivement. C'est les mêmes groupes. Ouais. Donc, ça, on ne peut pas dire que le goût du public a changé, parce qu'ils remplissent toujours autant dans les salles. Et là, ce n'est plus 3 000 disques, c'est 800. Alors, pour eux, c'est l'étranglement. Et tu poses... Et c'est le... Et c'est... Ce qui est assez fou surtout, c'est que
La presse, c'est assez incroyable, parce que c'est « ouais, c'est bien fait, les majors qui produisent que de la merde », enfin, tout le grand discours traditionnel. Alors que la réalité, c'est qu'il y a, des vrais gens de pouvoir qui sont les télécoms, et qui, en fait, ont trouvé un modèle économique. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'économie mondiale que ça existe, un modèle économique dans lequel ils volent. C'est-à-dire, mais oui, aujourd'hui, le fournisseur d'accès, pourquoi tu vas payer du haut débit plutôt que du bas débit? Pourquoi tu vas les payer 20 euros de plus par mois pour pouvoir chatter un peu plus vite? Alors, et avoir ton email un peu plus vite? Enregistrer plus vite. Allez, tu peux dire que la moitié, c'est parce que, mais eux, il y a tous les contenus gratuits. Et donc, en fait, le pognon, et ça a été, y a un économiste qui a fait un travail intéressant, c'est à peu près 5 milliards de francs qui vont dans la poche des telcos, alors qu'il devrait aller dans la poche de ceux qui produisent, les artistes, les auteurs-compositeurs, les producteurs. Mais 5 milliards, le business de la musique, c'est 7 milliards. Ouais. Donc si tu veux, tout à coup, on est vraiment dans un truc de vol mais totalement intégral en faveur des telcoms qui n'ont jamais dépensé un cifrelin dans la musique. Nous sommes d'accord. Et les grandes boîtes d'informatique. Les gamins, ils disent à des groupes français qui tournent, vous vos disques, on les copie parce que vous êtes français, on garde notre argent pour acheter des Metallica parce que c'est des Américains. Donc déjà, il faut leur dire aux gens, attention, enfin déjà, si vous aimez un artiste, le premier truc, c'est de ne pas télécharger. Vous le tuez. Vous le tuez. Les groupes à qui c'est arrivé, qui nous avaient raconté une note, c'est dissous. Vous dites, écoute, on a fait 5 albums, ils n'en pouvaient plus nous laisser venir. Ouais, ils arrêtent. Ce qui, moi, me gêne, c'est que dès que tu dis du mal d'Internet, tes tweets, t'es rétrograde. Moi, ils m'ont filé cette année. Il y a une association qui m'a filé le Big Brother Award. On a été deux à recevoir ça cette année, Sarkozy et moi. J'étais vache. En tant que liberticide. Putain, liberticide de quoi? J'ai simplement, les mecs, si vous pensez que voler, parce que vous volez, si vous passez votre temps à voler, la création, elle va se planter. Et d'abord, la création locale, elle va se planter. Parce que la création internationale, elle sera toujours rentable. Tu vends 3 millions d'albums dans le monde, t'es rentable. Maintenant, en France, tu vas vraiment souffrir. Et Cool Chain, là, son DVD amélioré avec des... Ah voilà, il y a aussi la solution de faire des DVD. Voilà. Moi, ma position là-dessus, c'est de dire, oui, c'est un vrai plus. Et d'ailleurs, on a vraiment été la première boîte à foncer sur les DVD. Ouais. Mais fondamentalement, la musique, 90% du temps, quand tu écoutes de la musique, tu fais autre chose. Ouais. C'est la force de la musique. Tu peux pas, quand tu écoutes de la musique, en regardant. T'es en train de conduire, t'es en train de lire un bouquin, t'es en train de faire. Bah, toi, non, c'est pas les moyens, mais fais ton ménage, ou t'es en train, tu vois, de niquer. Et c'est vrai que tout à coup, l'idée de l'image, c'est un plus, mais penser que tout à coup, les gens vont acheter de la musique que pour l'image, c'est pas le travail de la musique. Ouais. Elle n'est pas faite pour ça. C'est la différence entre la radio et la télé. Évidemment, ce que je pense, c'est qu'une partie de la musique demain sera téléchargée. Et donc, en payant. Téléchargée de manière payante. Ce truc économique. Bien sûr. Oui. Et ça va clairement être. Bon, les mecs qui utilisent ça pensent que dans 2-3 ans, ça représentera plus d'un milliard de téléchargements payants. Mais c'est vrai que ça n'aura un sens que si, parallèlement à ça, on lutte contre les mecs qui téléchargent gratos. Je suis bien d'accord. Mais tu ne peux pas lutter. Comment tu veux lutter? Comment tu peux lutter? Nous, on a fait, les maisons disent, quand on fait un truc, à la con, on a mis des leurres. Alors, tout à coup, tu commences à télécharger ton truc, et puis au bout de 30 secondes, boum, le truc, tu dis, merde, le truc, il tourne en boucle, c'est pas le bon titre, tu l'effaces, tu repars. Bon, donc on essaye de faire que ça soit plus compliqué. Deuxièmement, ce que je pense, c'est que les fournisseurs d'accès, au bout d'un moment, parce qu'ils ne vivront à terme qu'en vendant du contenu, parce que l'avenir, c'est exactement aujourd'hui comme si tu t'abonnais à Canal Satellite ou tu t'abonnais à TPS pour avoir un satellite. Non, tu t'y abonnes parce que tu as des contenus. Et demain, tu t'abonneras à un fournisseur d'accès parce qu'il te donnera des contenus. Et donc, à mon avis, à terme, les fournisseurs d'accès vont réduire le peer-to-peer. Parce qu'ils auront intérêt eux aussi à vendre, parce qu'ils toucheront sur la vente. Et donc, ils auront tout intérêt à faire que le peer-to-peer, le pirate, soit vraiment du pirate. C'est-à-dire un truc qui représente moins de 2-3%. Non, tu vois, par exemple, des groupes comme Aerosmith, qui faisaient traditionnellement un album simple tous les 2 ans, après, ils sont mis tous les 4 ans à faire l'équivalent d'un double, même à la fin d'un triple. C'est beaucoup trop. T'as pas envie d'écouter Aerosmith pendant 79 minutes. C'est un truc qui est terrible sur les CD, ça. C'est long. T'as deux morceaux. T'as besoin de 40 minutes d'Aerosmith. Ça m'en suffit, c'est génial. Et c'est top. Pourquoi ça te rend hystérique? Putain, quand tu vis au quotidien, comment un artiste enregistre, crée, l'idée que, ouais, il y a 2 titres de bien, le reste c'est de la merde, c'est aussi con que de dire, putain,
l'enculé de Beethoven, pom 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 pom. Mais après, c'est que de la merde, hein, ça va venir, hein. Il y a que les deux premières minutes, pom 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 pom. Et après, il a fait que de la merde, que du remplissage. Pour moi, c'est la même chose, ça me rend hystérique. Personnellement, je suis avec l'artiste qui, lui, pour lui, c'est tiens, on va sortir ce titre. Bah non, vieux, on va sortir celui-là. Ah bon, mais je l'aime pas. Bah oui, c'est celui-là. Et souvent, d'ailleurs, c'est celui qui marche. Bon. Donc si tu veux, il y a un moment donné, ça me rend hystérique. L'idée qu'on fait du remplissage sur un CD, ça me rend fou. Ça me rend fou, c'est pas vrai? Et d'ailleurs, t'as des titres qui n'ont pas été des tubes à l'époque, ou qui ont même pas été des singles, qui deviennent des tubes par la scène après. Attends, Allumer le feu d'Hallyday, ça n'a pas été un gros tube en termes de single. Exact, c'est un standard, Hallyday. C'est la scène. Bah alors, l'envie, excuse-moi, l'envie, le feu, ça a été composé pour la scène. L'envie, ça n'a pas été un tube single à l'époque. C'est un des plus gros tubes de la carrière d'Hallyday. Et c'est pas... Donc, je suis pas d'accord avec toi. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Si tu dis, je vais en faire une vedette. Maintenant, c'est super, super, super dur. Comme en télé, TF1 est une télé commerciale, comme vous le savez, il faut faire du pognon. Donc on ne passe que les choses qui marchent et qui passent à la radio. Sinon, ouais. Et moi, je trouve que France 2 ne fait pas son travail et France 3 ne fait pas son travail. Parce que là, je vais dans votre sens, il devrait y avoir des émissions de rock sur France 2 ou sur France 3. De nouvelles musiques. Des vraies émissions de nouvelles musiques. Parce que le rap, ça n'existe pas. Il y a eu Taratata fait un temps, mais ça n'existe plus. Donc pourquoi produire un disque si toi. Alors je vais te répondre, Gérard, parce que j'y suis sur France 2 depuis 20 ans. Le lobby du livre est suffisamment bien organisé pour exiger d'avoir une émission littéraire sur France 2. Attends, c'était pivot, allez, je vais être gentil, 9% de part de marché sur une chaîne dont la moyenne est à 20. Ouais, t'es gentil. Pivot s'arrête, ils prennent Guillaume Durand, 10% de part de marché sur une chaîne dont la moyenne est à 20. Donc France 2 admet qu'il y a une émission littéraire qui peut faire moitié moins que l'audience moyenne de la chaîne. Bon, le lobby du disque n'a pas été capable de vendre à France 2 ou à France 3, peu importe d'ailleurs, l'idée qu'on pourrait faire une émission de musique à 10%, parce que autant le théâtre n'y est pas arrivé. Stop. Le cinéma y est arrivé, parce que l'émission de cinéma de Michel Field, elle fait à peu près 10%. Donc ça veut dire que... Non. C'est pas la... Mais si, Thierry, il y a une politique. Alors franchement, la clé elle est là, c'est que n'importe quelle politique, il écrit des livres. Non, mais évidemment. La clé n'est pas là. En troisième partie de soirée, à TF1, j'ai toujours dit, il manque une émission musicale, ce qui est vrai. Alors, si je dis la même chose, il manque une émission littéraire. Oui. Ou je dis, il manque une émission de cinéma. Oui. Littéraire, on est autour d'une table, on monte des bouquins. 5 spots, 4 chaises, une table. Cinéma, 4 chaises, un spot et des trucs. Variété, studio, musicien, son. Et ça coûte une fortune. Bande d'orchestre, PBO. Je vais faire une émission rock'n'roll avec du PBO. C'est impossible. Taratata coûtait une fortune. 800 000 balles. 800 000 balles. Non, tu ne peux pas. Alors là, je vais te dire. Gérard. Mais attends, pourquoi? Parce que le lobbying du 10, ça se résume à un nom. Parce que le lobbying du 10 n'est pas arrivé à imposer une émission de musique. Il y a 5 majeurs. Il y a que Neng qui a dit je vais aller bouffer avec des députés, des ministres, des machins. Il va pas bouffer avec eux par plaisir, hein. Ah bon? Mais il y a un mec qui fait du lobbying dans le cinéma. Mecs font du lobbying. Mais le cinéma c'est une autre histoire parce que les chaînes de télé sont directement concernées. Elles mettent de l'argent. Et les livres, tu m'enlèveras pas de l'esprit que les politiques écrivent, commettent tous au moins un bouquin. Ça leur permet d'ailleurs d'être invité dans toutes les émissions pour parler de leur bouquin. Excuse-moi Pascal, c'est pas la raison. C'est pas parce que les hommes politiques écrivent des livres qu'il y a une émission littéraire sur France 2. C'est une tradition qui a commencé avec Bernard Pivot, que Durand continue, encore une fois, avec des scores. C'est toujours pareil, c'est la différence entre les attitudes et les comportements. C'est-à-dire, tu dis, est-ce que vous voudriez qu'on supprime Bernard Pivot? Ah non. Est-ce que vous regardez Bernard Pivot? Ah non. Et dis-moi, comment on va de Montalieu à M6, alors comment ça se passe? Ça s'est passé... vu que j'avais pas de rond à l'époque, il fallait que je garde des ronds pour aller dormir à l'hôtel, donc c'est vrai que je suis venu en stop. Ouais. Parce que je me suis dit que... Quelque part, je me suis dit que ça allait
peut-être changer le cours des choses, de partir un peu comme un pèlerinage. Je suis parti en stop, en déliré. C'était le dernier coup que je tentais. Ouais. Je me suis dit. C'est comme Mitterrand, la troisième évasion. Ouais. Oui, mais c'est le bon. Peut-être. C'est la bonne. Mais vous voyez sa guitare, il a une guitare pourrie. Bah, je veux dire, avec un pauvre micro à 200 balles, une Ibanaise à 3 balles. Prends ta, et tout, prends ta gratte, joue un truc. Ouais. Je ne sais plus quoi te dire. Je suis mort, t'as tout fait pour me détruire. Tu le sais bien, t'as tout fait pour m'endormir. Je suis las, à l'envers t'as déjà tout fait. T'as tout fait pour me détruire. À l'envers, je m'en tape encore. Tu es là, enfant de salope. Si je sais que je dois m'en aller. Tu m'entends, putain de ta mère. Faites pas ça chez vous. Ouais, mais il a tout ce qu'il faut là. Ouais. Hein? Non, non, parfait avec la guitare, même pas besoin d'électricité. Edwin. Parfait avec la guitare comme ça. Le micro devant la Robert Johnson, ça suffit pour moi. Jazz. Voilà, exactement, bon son. Pascal. Moi, je suis là pour donner... moi, je suis toujours là pour faire les mauvaises critiques. C'est bien, c'est ça. Ouais, mais c'est normal. C'est que les enfin, ce que mes artistes attendent de moi, c'est toujours ouais, dire. Bien sûr, bah oui. C'est le premier truc que je veux dire. Enfin, le truc que je dois dire, c'est chante, gueule pas. Voilà. Non, mais ça, c'est un des morceaux les plus, oui, les plus punk. Eh ben, je te le dis, il y a eu chante, gueule pas. Quand même, depuis Dalida, quand même. Je suis heureux car aujourd'hui j'ai des amis qui sont là, là dans ma tête. Je suis scellé mais ça ne fait rien car toi aussi tu casses les miroirs. C'est tous les jours, dimanche matin, je me rase la tête, j'allume des bougies car aujourd'hui j'ai trouvé Dieu. Yeah! Je suis heureux car aujourd'hui je sauve ma tête. Je ne suis pas triste, ou bien peut-être suis-je à blâmer pour ce que je suis. Moi je m'en tape, j'aimerais te voir, j'aimerais tant te rencontrer. Je veux faire l'amour si tu le veux car aujourd'hui je me sens bien. Yeah, yeah. Distributeur de Kleenex. Le problème du rock, et c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins que dans les autres domaines musicaux, c'est que les anglo-saxons se foutent du sens, ils veulent que ça sonne,
et que quand Nirvana fait I Love You, machin, tout le monde crie au génie. Maintenant, quand il fait Je t'aime, je t'ai tué, en français, ça donne de la merde. La vie, c'est comme ça, et tu l'apprendras au fil du temps. Que la vie, c'est comme ça, ça bouge et ça va tellement souvent. La vie, c'est comme ça. Les manœuvres, c'est le single, tu l'apprendras au fil du temps. Je me demande s'il est si rock'n'roll que ça, finalement. Ça. Non, parce que... Mama put my gun to the ground. I can't shoot me anymore. But this my crowd is coming down. Feel like I'm knocking on a heaven's door. Ce qu'il a de bien, je vais te dire, c'est le regard à travers la mèche. Tu, oui, c'est pas toi qui a commencé. C'est, hey, un, c'est pas moi qui avais le papier. Lis le papier avant de critiquer Valérie. C'est pas mal, hein. J'ai du mal à me rappeler des paroles. Mais c'est que tu dois ressembler un pote à moi d'enfance qui te ressemble. Ouais. Ça doit être ça. Je dis, quoi qu'on dise, ils avaient déjà. Nous étions les méchants en fin de série. Mais c'était quoi le truc en fait? Il y avait le côté des méchants rockers. Putain. C'est trois. Excuse-moi de dire ça, mais c'est trois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.